Western Horses. Alors, j'ai changé le nom de la chaîne tout simplement parce qu'il n'y a pas Kezio, hein, comme vous pouvez le voir, il y a Cooper. Et j'ai changé l'intro parce que l'intro, à un moment donné, là aussi, il faut changer puisque Ezio Cavalo Finger, ça ne parlait que d'Ezio à la base. Et là, ça a parlé d'Ezio et de Cooper et peut-être d'autres chevaux, qui sait, je ne sais pas comment va évoluer, j'en sais rien. Déjà, je vous souhaite une très bonne année. Que cette année 2021 soit vraiment positive, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que l'année 2020 soit géniale. On a eu le Covid. Moi, après le Covid, j'ai eu la bonne idée de me casser le genou. Donc, confinement, entre guillemets. Et puis, il y a eu un reconfinement. Donc, en fait, moi, j'en ai subi trois. Mais voilà. Alors, concernant cette année 2021, j'espère vraiment qu'on va pouvoir reprendre les concours. On en avait fait qu'un, qu'on va pouvoir prendre le challenge, qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Moi, Cooper va faire un an au mois d'avril. Donc, pour le moment, je ne pense pas lui faire de concours. Hein. Sachant que les concours à pied, ça existe, c'est à partir de un an. Je ne sais pas encore. Concernant vous, vos projets, j'aimerais vraiment que. Enfin, j'aimerais. Ouais, j'aimerais, j'espère, quoi, que ça va se réaliser, que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Il y en a, je sais, qui m'ont parlé de faire l'équipe pas l'équipe de France, de faire la motte, championnat de France, donc. Il y en a qui m'ont parlé de pas mal de choses. Enfin, j'espère vraiment que ça va se réaliser. Si, à cause, malheureusement, encore une fois, du Covid, ça se réalise pas, dites-vous que c'est pas très grave. Ça sera reporté. Qu'est-ce que je dois tenir de l'année 2020? Du bon, évidemment, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, hein, faut pas croire. Je suis rentrée dans un ranch, c'était 2019, mais je suis rentrée dans un ranch qui est génial, qui me plaît beaucoup. J'ai une coach qui est merveilleuse, j'ai une deuxième coach qui est merveilleuse aussi. J'ai jamais fait autant de choses. C'est vrai que j'étais jamais allée à la plage, il y a des trucs, il n'y a pas que la plage, il y a des trucs que j'avais jamais fait. Et on l'a fait. Voilà, donc il y a eu des hauts. Comme vous pouvez le voir, les gens sont super. Moi, franchement, j'apprécie tout le monde. La gérante, elle est géniale. Mais il y a aussi des bas parce que il y a eu Ezio qui a fait un peu le con. Je vais vous passer une petite vidéo. Alors, c'est vrai que je l'avais tournée il y a 2 semaines. C'est la fin, entre guillemets, du pansage de Cooper. Cooper, elle a été nickel. Maintenant, je peux l'attacher et tout. On a un nouveau projet, enfin un nouveau projet, non c'est pas un projet, on a une nouvelle surprise qui devrait pas tarder à arriver. Des hauts et des bas tous les deux par rapport à la monte, par rapport au fait qu'on a tout repris, on a réellement tout repris, hein. C'est comme si... en gros c'est comme si certaines choses n'avaient jamais existé, parce que le western et classique c'est quand même très différent, alors qu'il a été débourré, mais moi mon cheval dès qu'il voyait une barre... Je ne vais pas dire qu'il était fou furieux, c'est pas le cas, hein, c'est pas vrai. Mais il piétinait sur place, il était pressé, puis c'était très compliqué de le refaire descendre en pression. Donc, du coup, il a fallu travailler ça. Il y a du travail qui n'avait pas été fait. Donc voilà. Moi, je suis pas une pro, donc il y a des trucs que je ne savais pas faire. Donc c'est pas grave, voilà, ça se reprend. Là, il est très bien. Et il n'y a pas que lui, hein, il y a moi aussi, parce que moi, il y a des trucs, c'était du classique. Alors des fois, je me mélange. Ça m'arrive encore, comme je dis. J'ai passé durant tout ce moment mon galop 4. Je voulais passer mon galop 5 aux alentours de décembre-janvier. Alors je le ferai peut-être pas parce que c'est peut-être trop précipité pour lui. Donc je disais, je vous laisse et je vous relaisse regarder la vidéo du pansage de Petit Poney, qui n'est pas Petit Poney. Qui est Petit Cooper. Qui est un très bon Petit Cooper. Voilà, ciao tout le monde!
Et voilà. Petit cul tient maintenant tout seul. Très très bien.